Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve là où a commencé cette chaîne. La dernière fois, j'étais venu ici en flot de tube. Aujourd'hui, on a des conditions de léger vent, mais l'avantage, c'est que on est sur une zone abritée, donc on va se prendre un petit peu de vent, mais on va pas se prendre de vagues. Donc ça, c'est chouette. Aujourd'hui, on est sur un plateau rocheux, assez chaotique. On va avoir moins d'algues que d'habitude. On est plus sur de la roche brute quoi. Aujourd'hui j'ai pas oublié la casquette porte-bonheur de VT Fishing, donc j'espère que ça va donner. On se retrouve tout de suite sur le bateau. Bon, on va commencer notre session en essayant de trouver un endroit un peu abrité du clapot et du vent. Je pense qu'on va pas le trouver très loin. J'ai un petit peu peur parce que je vois beaucoup d'algues en surface. J'espère que je vais pas passer ma session à prendre de la salade. C'est super agréable de retourner sur un de ces spots où j'étais en flotte tube. Je me rappelle lutter contre le vent, contre le courant. Là c'est royal, en kayak forcément, c'est toujours plus confortable. Bon, on va commencer tranquillement, je vais faire un peu du rase-caillou. Hop. Ouais. Et là j'ai de la bonne salade en surface. J'espère que ça va pas être comme ça toute la session. Bon, pour commencer, le petit Omega Wild Ayu en taille 10. Vu qu'il n'y a pas de fond. Histoire de voir un petit peu si on peut pas faire dès le début quelques petits poissons. Bah alors, qu'est-ce que j'ai senti là? Bah ouais, déjà premier lancer les gars, premier lancer, truc de fou. Bon, c'est un lieu jaune. Hop. Et bah voilà, décroché. Voilà, petit lieu jaune dès le premier lancer. Alors mettre à l'eau. Hop, super. Bon bah, si c'est comme ça toute la session, moi je veux bien. Bon les amis, je crois que je suis sur un spot à lieu jaune. Et au moins pas capot hein. Ah, on est sauvé. Hop. Petit bonhomme. Bon bah c'est super agréable, je me fais promener par le vent. Je fais longer la caillasse. C'est agréable. Normalement il devrait se calmer d'ici une heure ou deux. De toute façon je vais aller à un endroit un peu plus abrité là juste derrière. Bon, le soleil commence à taper un peu violemment, donc je vais troquer ma casquette contre un chapeau. Contre un bob, c'est ça le terme exact. Toujours l'édition si basse, édition bar de chez VT Fishing. Encore décroché. Hop. Et voilà. Premier bar qui s'est fait un peu attendre. Et voilà, j'ai fait avec l'Omega Sand Trooper.
nouveau coloris qui est du coup dispo uniquement en taille 12,5. C'est une exclusivité 12,5 et c'est évidemment dispo sur la boutique si vous voulez faire un petit tour pour soutenir la chaîne, soutenir le projet. C'est avec grand plaisir. Allez, on va le relâcher. Bon, peut-être que ça va se déclencher là. Ce serait cool. Là, j'ai 1 ou 2 mètres max d'eau. Je suis sur un super plateau. Et il m'a vraiment eu au tout dernier moment. C'était assez rigolo. On va rester sur le même coloris, mais un peu plus plombé. Mettre en 15 grammes, là je suis en 10 grammes. Non, je l'ai pas en 15 grammes, on va se mettre du coup un waka qui ressemble un petit peu en taille 10 et en 15 grammes. Allez, c'est parti! Super, ça y est, ça se déclenche. C'est cool. Hop, voilà. Barre correcte, hein. Fait avec du coup l'Omega Waka. Difficilement à voir. Et voilà, le Wakazaki en taille 10. Hop, qui a été un petit peu délogé. Et voilà le mystère qu'on va remettre à l'eau tout de suite. Allez, salut à toi. Super. Bon, bah, on a une petite dérive sympa à faire et à redescendre, etc. Je pense qu'on va, rester là et ça a l'air d'être pas mal. Croise les doigts. Ça. Ah ouais, c'est un beau lieu. Super, génial. Bon, et ben on va en conclure là-dessus. Un joli lieu, enfin un joli lieu. C'est un joli lieu pour voilà, pour 100 mètres du bord, c'est un joli lieu. Donc je suis content. Ça a été la journée du lieu. Voilà, 2 bars, 3 lieux. Petite journée sympa. On va pas dire que c'était une journée très fructueuse, mais c'était sympa quand même. Après, on n'est pas encore à fond dans la saison, mais on rentre bien dedans quand même. Bon, bah voilà, petite session. Comme je disais, bah pas hyper fructueuse en bar en tout cas, ça c'est sûr. Je les ai enchaînés tous les deux à 5 minutes près et après plus grand chose. Même si j'ai constamment eu des touches, j'ai senti qu'il y avait un petit peu d'activité. Mais on sent qu'on n'est pas encore dans le cœur de la saison. Hein. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est peut-être un peu moins
complète que les autres. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'images. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et bah, on se retrouve dans très peu de temps pour une session un peu plus orientée vers le bar, j'espère. D'ici là, bah, portez-vous bien. À très vite. Salut à tous.